moyen de défaire les semis. Là, voilà, comme ça, ça va être prêt pour le repiquage dans les pots. Voilà, comme ça. Pas perdu trop de temps. Voilà, bon. Donc je fais un petit trou. Là j'ai pris ça parce que je pensais que mon truc de bois allait. Bon, je peux le prendre, mais je trouve qu'il est gros. Comme ça, je fais un trou au milieu directement et ça met le semis. Donc là, j'ai des pots qui sont un petit peu plus petits, comme ça, je fais un trou au milieu pour permettre mettre la tige assez profond pour bien que ça s'enracine. Voilà, comme ça. Donc il y en a peut-être qui les replantent un peu plus vieux, hein, au niveau là il reste un petit mois. On va aller sur les beaux jours, il reste un mois avant les seins de glace. Donc je pense qu'on ne sera pas trop mal. Donc là, je prends le semis, je vais en faire un là. Je le mets directement dedans. Tac. Juste pour que les feuilles. Comme ça, il est prêt. Voilà. Donc ça, il faut le faire autant de fois que vous avez de. Alors essayez de prendre les plus vigoureux. Vous voyez, celui-là est pas trop mal. Hein, bon. On verra ce que ça donne. Hein. Enfin, peut-être qu'il n'y a pas de repiquage. Essayez de bien centrer, là je l'ai pas bien mis. Mais... Tac, allez, celui-là est pas mal du tout même. Bien le mettre bien à fond. Comme ça il va bien s'enraciner. Puis au moment du repiquage. En pleine terre la prochaine fois, sinon ça sera bien. Voilà, ça va vite, hein. Ça va relativement vite. Voilà, celui-là, voilà, pareil, hop, banque. Là je vais en faire je sais pas, donc ça c'est de la cœur de bœuf, hein. Je sais pas,
Alors, là, il y en a encore 3, 4. Bon. Bon, je continue et je reviens vers vous juste après. A tout de suite. Bon, semis tous faits. Donc là, nous allons mettre les semis. Alors, j'ai récupéré chez le poissonnier de Super U à côté de chez nous, là. Des barquettes en polystyrène. Comme ça, ça fait office de mini-serre, au moins provisoirement. Voilà. Comme ça, on met tout ça dedans. Plus qu'à attendre après. Voilà. Donc bien sûr, pour pas perdre, pour savoir exactement ce qu'on a fait, la date du repiquage, bah du coup vous prenez des petits bâtons de glace hein, pour faire de la pub, c'est pas un placement de produit. Je marque la date, nous sommes avril 2017 et un cœur de bœuf. Votre étiquette que j'avais faite non de semis, allons-y. Voilà, vous la mettez dedans. Et puis voilà. Bon voilà, les semis sont finis. À bientôt dans une prochaine vidéo.